avait des sourires et des dents sur les visages des enfants. On se touchait sans compter, on se tenait la main. Il y avait des bars et des restos qui nous tenaient le cœur au chaud, où l'on rencontrait ceux qui devenaient des copains. Dans les parcs, on avait l'air pur. Dans le ciel, on avait l'azur. On pouvait sortir, le monde s'offrait à nous. Mais soudainement, tout s'est fermé. Les gens n'ont pas su résister. C'est aussi vite qu'on s'est retrouvés à genoux. Certains ont dit, réveillez-vous. Mais on les prenait pour des fous. Pour parler de la liberté, quand tes enfants n'en auront plus, que trouveras-tu à raconter? Qu'en diras-tu? Il y a eu des vieux et des parents qui n'étaient plus qu'obéissants, qui masquaient leurs gamins sans y réfléchir. Puis par la peur et la surprise, la délation était de mise. Notre humanité a commencé à fléchir. Pourtant tous les oiseaux chantaient, mais on ne savait plus écouter. Tout nous semblait factice, nous étions sous hypnose. L'espoir comme nous était perdu, le temps paraissait suspendu, sous perfusion des médias à trop forte dose. Certains ont dit, révélez-vous, mais on les prenait pour des fous. Pour parler de la liberté, quand tes enfants n'en auront plus, que trouveras-tu à raconter? Quand diras-tu? Il y a quand même eu de bons docteurs qui osaient prescrire sans peur. On a même parfois tenté de faire interner. Il y a eu des journaux courageux qui appelaient de tous leurs voeux. Le peuple a dénoncé l'horreur et s'éveillé. Et malgré ces si sombres temps, toujours revenait le printemps comme une invitation à vivre une hirondelle. En regardant par nos fenêtres, on aurait pourtant pu voir naître tous les signes nous annonçant une vie plus belle. Certains nous ont dit, suivez-nous, mais on les prenait pour des fous. Pour parler de la liberté, quand tes enfants n'en auront plus, que trouveras-tu à leur chanter? Qu'en diras-tu? Ceux qui ont dit, réveillez-vous, commencez à fleurir partout. Pour parler de la liberté, si mes enfants n'en avaient plus, que pourrais-je alors raconter à ma tribu? Il y avait des rires et des chagrins, il y avait des morts parfois pour rien. C'était la vie avant la terreur des virus. On acceptait notre départ, même si on le souhaitait bien tard.
mais on apprenait à ne pas demander plus. On savourait chaque seconde, Shakespeare, Verdi ou la Joconde. On savait trouver la beauté dans l'éphémère. Mais quand on nous a manœuvrés pour nous soumettre et nous prostrer, rien n'a marché, pas même les dieux et leurs prières. C'est là qu'on a dit, sauvez-vous, certes on nous prenait pour des fous. Pour parler de la liberté, quand tes enfants n'en auront plus, que trouveras-tu à raconter? Qu'en diras-tu? Depuis que l'homme sur la planète poursuit ses passions et ses quêtes, jamais il ne baissa les bras ou recula. C'est bien le propre de l'humain d'affronter la vie, le destin, sans crainte et sans douter, en lui ouvrant les bras. Mais dis-toi que cette chanson, en fait, n'est qu'une projection, que le futur n'est pas joué, que l'espoir vit. Que nos enfants à nos côtés ont un avenir à sauver, et qu'aux instants présents se joue toute leur vie. C'est l'heure de dire, réveillons-nous, nous voulons vivre, un point c'est tout. Alors parlons de liberté, avant que nous n'en ayons plus, nous avons tant à défendre, là, qu'en dis-tu?